Hello, bienvenue sur la chaîne de Croche un tiers. J'espère que tout le monde est en forme. J'espère que vous allez bien, que vous êtes de bonne humeur. Parce que moi, ce matin, je suis de bonne humeur. J'ai Cachou et Mini proche de moi, là, qui. Je sais pas que ceux qui niaisent, là. Ben oui, c'est Mini, hein. Allô, la cocotte, comment ça va? Hey, là, les gens me voient plus. Pout, pout. Mini. Ah, cette chatte. Bon, là, je me cherche quelque chose pour faire une petite poubelle. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Bon, j'ai mon petit contenant de cire ici. Je me suis fait... je me suis amusée. Tiens, je vais me servir du petit couvert de cire parce que là, je nettoie mes crayons. Je les repars en neuf avec la nouvelle cire. Et puis, aujourd'hui, on se retrouve là dans le vlog 7. La partie 7 du Hibou Banjo et je vous annonce que ce sera la dernière. Je le termine avec vous. Il me reste quand même une bonne zone. Je vous explique ce que je vais faire. Ce que je vais faire, en fait, je vais faire une première partie de la vidéo lorsque j'aurai fait mes crayons parce que je vais vous montrer là, en même temps. Encore une fois, un petit rappel. Hein. Là, je nettoie tout bien comme il faut avec ma pince. J'ai échappé ma pince par terre hier. Je ne sais pas si vous êtes capable de voir. Là, le bout de la pince fait comme un petit crochet. En tout cas, on ne voit pas trop à cause du soleil. Là. Je ne veux pas trop enlever mon super soleil non plus. Pendant ce temps-là, Cachou regarde dehors et il n'essaie pas de gosser après mon diamond painting. Donc, c'est un peu une manière à moi d'acheter la paix, hein, si on veut. Mais c'est ça. J'ai échappé ma pince par terre. Puis là, ça a comme croché un petit peu le bout de la patte. Juste à peine pour dire que ça fait un petit crochet. Donc, ça va pas super bien pour nettoyer. Je vais me servir là, de l'autre côté qui est encore droit. J'ai essayé dans le passé de les remettre droit. Et puis, il n'y a pas grand-chose à faire. Pour vrai, ça finit tout le temps par accrocher. On dirait que ça crée comme une faiblesse, dans le fond. Puis ta pince, après ça, est comme, on pourrait dire, là, fêlée. Donc, c'est ça, ça revient comme tout le temps. C'est pas grave, l'autre bout est encore droit. Donc, je peux bien faire le ménage de mes crayons. Puis celui-là, je crois que il n'y a rien dedans. En effet. Bon, donc, vous voyez ma belle petite cire. Je ne sais pas si vous pouvez voir, là, trois couleurs. Dans le fond, j'ai de la cire orange à l'orange. Ensuite, dans le milieu, j'en ai aux agrumes. Et puis, sur le dessus, j'ai à la barbe à papa. Donc, c'est cute. Ça fait comme une petite bulle d'air sur le dessus de la cire. Fait que, tu sais, ça fait comme une petite bosse sur le cœur. C'est cute. C'est ça. Bon, je ne sais pas si je vais être capable. Oui, je vais être capable. À l'habitude, c'est sûr, là, je mets une senteur. Là, mais là, j'avais comme, en faisant ma production... j'avais des petits surplus, juste pour dire qu'il en restait, puis tant qu'à le jeter. Ben ça, je me suis coulé un petit cœur multicolore, donc je trouve ça cute. Des super petits contenants, qui ne sont malheureusement pas disponibles à la vente. Je vous explique le pourquoi. Le couvert du cœur est comme bombé, donc Post-Canada, ça ne passe pas. Une petite cire comme ça que je vous vendrais 4 ou 5 $ il faudrait que je calcule là, mes choses, là, peut-être plus 4 $ ça me coûterait le prix d'un colis à envoyer, donc ça me coûte 15 $ Donc, c'est une vraie blague, là. C'est pour ça que, bon, je suis allée faire un test en premier chez Post-Canada, savoir si ça passait à la poste. Et puis non, c'est ça. Ça passe pas dans le gauge de la poste. Donc, au prix que ça coûte là, pour envoyer, là, je trouve ça un petit peu ridicule aussi. Puis, je voudrais pas non plus là, que, tu sais, vous payiez autant de frais de port là, pour ça. Donc, j'avais pas tant de contenants que ça. Ça va, Cachou, il se vire comme sur le dos, là. Il prend son bain de soleil, mais c'est parce qu'il fait tout tomber au passage. Ah, mon chat. Ouais, il est incroyable. Donc, c'est ça, il se retrouve pas à la vente, là, tout simplement pour ça. Donc, mais j'en attends d'autres, des petits contenants que eux vont se retrouver à la vente, là, des éditions spéciales, si on veut. Et puis, bon, ceux-là, je me suis dit, je vais les garder pour moi, comme ça, quand j'ai des petits restants. Et puis, aussi, mais je me suis dit, pourquoi pas, là, je fais des swaps avec des abonnés. J'en ai d'autres de prévus. Donc, j'ai trois boîtes qui m'attendent en haut, là, qui se montent tranquillement, pas vite. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas les gâter avec mes petits formats spéciaux. Donc, j'ai trouvé une façon de les utiliser parce que sinon, j'aurais les petits contenants. Puis, à un moment donné, ça sert à rien, là, tu sais, c'est ça. Au lieu que ça dorme ici. Donc, on commence ça. Je vais vous montrer ce qu'il me reste à faire. Ensuite, je vais installer la cire dans mes crayons.
Et puis, c'est ça, je vais commencer en premier lieu là, avec une partie en accéléré. Donc, tu peux voir, là, il me reste pas tant que ça à faire, là. Tu sais, il me reste ça, là. Donc, là, ce que je vais faire, moi, je vais venir au moins m'avancer, là. Vous voyez pas bien, là, mais c'est comme des carrés un petit peu plus foncés. Le Diamond Painting, le fond est un peu comme délimité. Oui, j'ai tous mes petits carrés, mes pixels, sauf que j'ai des lignes un petit peu plus épaisses qui me forment vraiment des carrés. Donc, lorsque je veux avancer, puis pas trop en faire non plus, mettons, puis tu me dis, bon, je vais arrêter droit, mais ça va tellement bien. Je vais me garder peut-être quoi, trois carreaux à faire avec vous, exemple. Je crois que je vais venir là, tu sais, l'avancer ici jusqu'au bec. Et puis, le bas du bec, le haut du bec, et puis là, ici, là, ça me donne trois carreaux. Donc, selon moi, trois carreaux à faire en vidéo, ça va être quand même bien parce que c'est quand même assez long. Écoutez, hey, là, je regarde ma feuille, je suis rendue à 9 heures de travail sur ce Diamond Painting-là. 9 heures! C'est normal, c'est un carré. Les carrés, c'est beaucoup plus long, je trouve. Ben, selon moi, là, je trouve que ça va mieux avec des ronds. Ça va plus rapide. Donc, c'est pas que j'aime pas les carrés, c'est que je suis impatiente de le terminer pour en commencer un autre. Donc, c'est pour ça que j'ai une préférence pour les ronds. Donc, c'est ça. Je vous explique le pourquoi du comment. Donc, je fais mes cires dans mes crayons. Et puis, bon, je vais mettre le Diamond Painting de côté parce que le cachou est zigonne. Et ouais. C'est parce que vous le voyez pas, là, parce qu'il est vraiment près de la caméra. Il est comme dans l'angle mort, là, mais là, il prend comme la moitié de la place que j'ai disponible sur mon bureau. Donc, il va falloir régler ce problème-là aussi. Il va falloir que j'achète la paix, puis je le sorte, je le mets de l'autre côté. Donc, je descends la caméra pour que vous voyez bien ce que je fais. C'est ça, ça m'a été mentionné dans les commentaires, là, comme quoi qu'on ne me voyait pas mettre ma cire, donc je m'en excuse. J'ai deux sortes de cire. J'en ai une au citron puis une à la barbe à papa. Donc, pourquoi pas faire une de chaque. Donc, mon petit crayon ici, offert par Dani. Je l'aime bien. Il est léger au bout. Ouais, j'aime vraiment ça pour vrai. Je travaille là, de temps en temps avec. J'en ai tellement, là. J'ai comme ma collection de crayons à un moment donné, là. Donc, je gratte. Je taponne pour être sûr que ça rentre bien dedans. Ensuite, j'enlève l'excédent. Que je vais mettre là, dans mon petit pot à vieillir. Ça aussi, ça va s'en venir, là. Je vais essayer de trouver des petits trash balls. Manière de quelque chose. Là. Ça aussi, ça va s'en venir sur la boutique en ligne. Quand je ne sais pas. Je vais vous donner des nouvelles aussi là, de mon super outil chouchou, là, mon petit balai. Là, ça ici, là. Là, il est disponible sur ma boutique en ligne. C'est inscrit précommande. Parce que c'est ça, là, j'ai tout vendu ce que j'avais acheté de plus pour vous. Et puis, je sais qu'il est populaire, qu'il y en a beaucoup qui en veulent. Donc, là, c'est ça. Avec l'embout multiple, c'est d'aller gratter pour le remplir. Pour en mettre en masse, il faut que ça dépasse, hein? Je vous le dis, là, faut qu'il en dépasse. Parce qu'après ça, il faut aller pousser pour le rentrer. Ensuite, je gratte l'excédent sur le dessus. Là, c'est plat avec le bout. Ici. Ce que je fais pour l'embout multiple, c'est de venir s'aligner sur trois diamants bien posés pour faire la forme. Ensuite, on vient enlever l'excédent tout le tour. Et voilà, mon crayon est prêt à être utilisé. Je vais faire le deuxième. Je vais prendre mon mot de cire. Ici. Ah, ça me fait mon beau petit cœur qui n'était pas utilisé. On dirait, je veux comme pas l'utiliser tout de suite. Je suis comme, hein. Puis j'en ai plein de petits restants de cire, mais là, je ne les trouve pas. Celui-là, je l'avais mis de côté. Je ne sais pas pourquoi. Mais on dirait, je ne veux pas l'utiliser. Où sont mes cires commencées? Là. Regardez-moi ça. J'en ai des cires, là, dans ma petite boîte. Hey! J'en ai une autre ici.
Donc, elle a commencé. Elle est à quoi? Citron. Elle, si je me trompe pas, c'est barbe à papa. Ouais. Ça, c'est au début, lorsque je faisais mes essais. Hein, faire des petits tests. Donc, tiens, je vais avec la barbe à papa. J'aime beaucoup la senteur, donc... Ah, mais là, mon embout rentrera pas. Donc, j'ai pas le choix d'y aller avec ça. Si je veux vraiment faire mon embout multiple, je sais pas c'est un embout de combien, je vais vous le dire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, c'est un embout de 10. Puis, il va vraiment rentrer pile là-dedans. Donc, j'ai pas le choix. Donc, je viens gratter. Je viens pousser comme il faut pour que ça rentre partout à l'intérieur. C'est surtout les petits bouts, là, les coins, là, qui fait qu'il y en a moins un peu. Parfait. Donc, là, c'est tout plein. C'est un petit bout, là, ici. Je pousse comme il faut. On le voit dedans, là, au travers, là, quand c'est bien compacté. Bon, là, je fais de la cire partout. Il va falloir que je nettoie. Donc là, il est bien compacté. J'enlève les surplus sur les côtés. Dans mon petit contenant à rebut. C'est de la préparation, mais je vais être bonne pour un bon bout à travailler avec. Donc, je m'excuse si dans certaines vidéos, on ne me voit pas mettre ma cire de quoi. Je ne regarde pas tout le temps non plus aussi. Oups, j'ai fait. Un petit résidu, je vais l'enlever. Et voilà. Parfait. Bon. Donc là, j'ai enlevé pas mal sur le dessus. On va l'essayer à quelques endroits. Parfait. Donc là, j'ai mes petits carrés détempés comme dedans. Les 10. Merveilleux. Doucement, je fais juste comme le flatter pour enlever là, les mini petits résidus qui peuvent ressortir. Ah, voyez-vous, c'était écrit 10 ici, puis je n'avais même pas remarqué. Bon, donc c'est réglé. Je ne suis pas sûre que je vais utiliser l'embout de 10 parce que je ne suis pas sûre d'en avoir 10 en ligne dans le dessin. Là. Pour vrai, je regarde ça, là. Mais c'est pas grave, mon crayon va être préparé, je vais le mettre de côté. J'aime ça des fois changer de crayon en cours de route. Bon, donc ça, je garde ça proche. Je me fais un petit peu de place. Là, vous pouvez voir que cachou est là. Hein. Bon, je vais laisser ma petite cire ouverte ici, au cas où j'en aurais besoin. Donc, je m'installe, j'ai mon petit plateau, ma petite pince pas trop loin, mes diamants sont à côté. Bon. Donc, on place le super hibou. Là, je vais. Ouais, je crois que je vais sortir cachou du bureau pour pouvoir commencer ça. Donc, hey, mon Dieu, là, je regarde le temps sur la caméra, ça défile, ça défile. Ça fait déjà 14 minutes que j'étais avec vous. C'est pas grave, ça. On va faire une longue vidéo. Donc, c'est parti, mon kiki. Je mets ça sur un accéléré. Je me garde exactement 3 carreaux à faire avec vous à la fin. Donc, c'est officiel. Je termine le hibou banjo dans cette vidéo. C'est parti. La belle petite musique va vous accompagner. Je vous reviens dans quelques minutes.
retour avec vous pour terminer la toile, enfin. Donc, j'enlève la pellicule. Ah, mon Dieu, ce moment, hein, quand on enlève le dernier bout, là. Ouais. Et là, 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 là. Bon, oh, pardon, je me prends un petit bonbon. Chocolat menthe. J'ai essayé ça, là. C'est un petit bonbon à la menthe, dans le fond, avec du chocolat dedans. Oh, my God. Ça goûte le ciel. Bon. Donc, il me reste que ça ici à venir faire. Il m'en reste vraiment, mais vraiment pas beaucoup. Donc, c'est parti. Ah oui, c'est vrai, je vais réactiver mon chrono. J'ai hâte de voir au final là, combien d'heures je vais avoir mis sur ce diamond painting-là. Écoutez, ouais, ça fait un bon bout de temps là, qui est commencé. J'ai vraiment hâte là, de pouvoir passer à une autre toile. J'ai plein de toiles là, à faire. Et puis, c'est ça. Là, ouais. Bon, là, ma cire commence à niaiser un peu. Écoutez, ça fait pas loin de 2 heures. J'étais avec la même que j'y ai pas touché. J'en ai posé quand même pas mal. Même plus que 2 heures. Là, ça fait 2 heures. Oh my God, ça doit faire 4 heures que je travaille avec la même cire. Pas 4 heures d'affilée, là, mais 4 heures en tout. J'ai changé l'embout une fois. Mais la cire, là, dans l'embout multiple, c'est vraiment celle au départ. D'ailleurs, enfin, je vais pouvoir dire qu'il est terminé ce petit hibou banjo. Ça va avoir été assez long, là. Moi, il me semble, dans ma tête, ça fait une éternité que j'ai commencé cette toile-là. J'ai Alice au Pays des Merveilles, que mon organisation est faite, est prête, que je veux faire la toile. C'est une 30 par 40, donc ça devrait se faire quand même assez rapidement, selon moi. Puis, ensuite, là, je vais commencer une toile qu'une de mes abonnées, Mélissa, m'avait donné une toile qu'elle avait en double. Une grande toile en plus là, avec des belles fleurs dessus. Donc celle-là, là, je vais faire l'organisation. Donc il va falloir que je clenche aussi là, le pan de Flamingo Art parce que c'est ça. Là, à un moment donné, je vais avoir trop de toiles de commencer. Je suis désolée si on entend des bip bip en arrière dans la caméra. Mon voisin s'est loué une nacelle aujourd'hui pour faire je sais pas quoi. Et puis, écoutez, on entend plus bip bip qui travaille là. C'est débile, là. Je sais pas qu'est-ce qu'il joue avec la machine, qu'est-ce qu'il fait là. Ça arrête comme pas de sonner tout le temps. Aïe aïe aïe. Ma mère qui est comme sur un terrain vraiment plus loin, sérieux. Elle est venue tantôt, puis elle me dit, tu peux me dire, c'est quoi qui fait ça? Ça se demandait c'était quoi? Je suis partie à rire, j'ai dit, c'est le voisin, là, que ça bébelle, là. Il s'est loué un jouet pour la journée, et puis, c'est ça. Ça me dérange pas, c'est juste que, tu sais, à un moment donné, bip, ça fait plusieurs heures que je l'entends, le bip-bip. Je ne sais pas pourquoi que ça fait ça. C'est-tu quand il est en mouvement? C'est quoi? T'sais, parce qu'il faut qu'il bouge souvent et tout, je ne sais pas. Mais tu sais, mes fenêtres sont fermées. J'ai pas de porte ouverte non plus. Puis c'est ça. Je l'entends bien comme il faut. Donc, j'imagine pas ma mère qui travaille comme dehors. Puis que c'est écho, elle a dû l'entendre encore plus que ça. Bon, petit numéro 2. La couleur numéro 434. Bon, les petits numéros 2, les petits numéros 2. Faut que je les spotte, sont où? Ok. Ils sont plus dans le bas. Donc, c'est ça. Après ça, là, il va falloir que j'embarque sur la toile à Mélissa. Et puis, au travers, j'ai ma toile mystère que j'aimerais avoir finie pour le temps des fêtes. Écoutez, j'ai de l'ouvrage, là, pour vrai, là. Oh là 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 là. Ça va être du sport. Mais non, le père, ça va bien se faire. Non, c'est vraiment un 2. C'est qu'il y avait une petite mini ligne dans la colle
qui m'a fait comme douter, mais non. Sinon, le seul autre que le fond est de cette couleur-là, c'est le numéro 7, puis c'était pas le numéro 7. C'était pas écrit en noir. Le 7 est écrit en noir, le 2 est écrit en jaune, là, dans mes carreaux. J'avais assez hâte là, de pouvoir mettre cette toile-là de côté et dire, elle est terminée, là. Ça va s'en venir dans pas longtemps. Parce que c'est quand même pas long à faire un carreau de cette grandeur-là pour vrai. Bon, les petits numéro 3, une belle petite couleur caramel, là. Et on entend la colle en toc, toc. Ça colle. Oups. Le temps que je me décide. Et voilà. Numéro 3. Parfait, j'ai plus de numéro 3, des numéros 4 non plus, j'en ai pas. Mon Dieu, excusez-moi, je suis en train de m'étouffer avec mon bonbon. Bon, on va l'avoir. Numéro 5, j'en ai plus non plus. Des numéros 6, est-ce que j'en ai? Oui, j'en ai quelques-uns. Donc, un beau petit gris-pâle. Là. Là, hein? D'habitude, j'ai un café, j'ai quelque chose de proche, puis là, j'ai comme. Rien autour de moi. J'ai soif en plus, donc. Et là là. Tantôt. Bon, j'ai tout fini les numéros 6. Parfait. Est-ce que j'ai des numéros 7? Oui, j'en ai quelques-uns. Numéro 7. Aussi, j'avais pensé. Je vais vous faire une vidéo, là, question de faire un petit refresh, hein, parce que, bon, j'ai beaucoup de nouveaux abonnés et tout, puis il me semble que ça fait longtemps que j'ai pas fait, je vous ai pas remontré, là, mon organisation, là, lorsque j'ai terminé un DP, avec mon cartable, là, et puis mes petites fiches, là, de pour les cartes de hockey, si on veut, là, il y a quand même beaucoup, tu sais, les abonnés qui me suivent depuis quand même longtemps. Vous avez déjà vu le principe, j'ai rien changé du tout. Mais vu que j'ai beaucoup de nouveaux abonnés, je pense que ça pourrait être intéressant, là, que, en ayant terminé mon hibou, là, que je vous refasse une petite vidéo. Vous remontrer ça. Des fois, hein, les nouveaux abonnés, s'il y en a qui n'ont pas d'idée, qui ne savent pas trop comment, qui ont des organisateurs pour ranger, ça prend tellement de place. Hey, moi, ça prend pas tant de place, là, un cartable. Donc, c'est ça. J'aime vraiment mon organisation et tout, là. Moi, je trouve que ça prend vraiment pas de place à comparer à bien d'autres choses, là. Puis, même chose aussi, là, lorsque je vais avoir verni des toiles, j'ai pensé à quelque chose. Je vois beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Des fois, qui sont là, qui ont des diamants manquants, qui font des recherches sur les groupes. Tu sais, est-ce qu'il y en a qui ont telle couleur, en rond, en carré? J'ai quand même beaucoup de surplus. Donc, ce que j'avais pensé faire, vous savez, vous avez toujours sous chacune de mes vidéos, le lien de ma boutique en ligne sur Etsy. J'avais pensé à mettre mes restants de perles là-dessus, à vendre, disponibles. Donc, pour les personnes qui, des fois, avoir des diamants manquants ou quoi que ce soit, ça peut être intéressant. Ça peut être beaucoup moins long aussi que d'attendre après le vendeur. Ou bon, si avec le vendeur, c'est compliqué ou, tu sais, pour X raisons. Donc, moi, anyway, à un moment donné, tu sais, je veux dire, je vais en avoir trop, là. Lorsque la toile va être vernie, moi, le pourquoi à la base que je garde.
mes diamants, c'est que mes toiles ne sont pas vernies. Donc, c'est pour ça que je me fais une organisation comme ça. Lorsque mes toiles vont être vernies, et puis que je vais être sûre que je ne perdrai pas un diamant, que ça ne bougera plus, mes diamants sont comme un peu inutiles, si on veut. C'est sûr, je peux m'en garder éventuellement qu'il m'en manque sur une toile ou pour X raisons. Sauf que, bon, pour les probabilités que ça m'arrive, ça m'est arrivé à date d'avoir des diamants qui me manquaient. Sauf que je me les ai fait renvoyer par le vendeur. Ça n'a pas pris le temps. Ça m'est arrivé une fois avec Home Fun, puis une fois avec un autre vendeur. Je ne me souviens plus c'est lequel. Puis, tu sais, je veux dire, ça n'a pas été compliqué du tout. J'ai eu mes diamants. Ça n'a quand même pas été trop long. Donc, c'est pour ça que je me dis, tu sais, pour les probabilités que ça pourrait m'arriver, écoutez, je prends une chance. Puis, je pense que ça pourrait être quelque chose qui est quand même assez intéressant. Que je vous mette ça là, disponible, là, que c'est ça. Que je les vende dans le fond. Là. Je ne vendrai pas ça à un prix de fou. Là, Question que ça me rembourse, là, mon frais d'envoi. C'est à peu près tout. C'est ça. Je pense que ça pourrait être pas pire. Parce que c'est ça. J'ai quand même plusieurs abonnés qui sont au Québec. La livraison est gratuite. Hein, je me permets de vous le rappeler. Sur ma boutique en ligne, là, la livraison est gratuite. Pour le pays au complet. Donc, Québec, Ontario, peu importe, c'est ça. La livraison est gratuite, est à mes frais. Donc, ça peut être quand même intéressant. Quelqu'un, là, exemple, là, bon, je donne exemple au Québec, que, bon, je sais pas moi, les numéros, là, regardez, là, je fais du 838. Bon, ben, les 838, il en manque, bon, des carrés et tout. Tu sais, si moi, j'en ai en stock. C'est ça. Je pense que je vais faire une section dans la boutique. Et puis, je vais mettre là, toutes les perles. Là, ben, pas une section. Je vais faire comme une seule annonce. Puis, je vais mettre là, tous les numéros de perles que j'ai en plus. Là, que ce soit les ronds ou les carrés. Je pense que c'est ça. Ça pourrait dépanner plusieurs. Déjà terminé pour les baies. Là, je suis comme dans le brun foncé. Là, on voit un petit peu plus. C'est un brun foncé, mais on peut un petit peu plus distinguer que c'est du brun. L'autre, on dirait quasiment que c'est du noir. Ça, ici, c'est du 938. Donc là, je m'en vais faire les petits C. J'ai trouvé mon fameux cadre. J'ai fouillé un petit peu en ligne, là. J'avais un petit peu de temps à perdre, là. J'attendais. Et puis, c'est ça. Je me suis dit, tiens, tiens, regarde, pourquoi pas, là, faire une petite recherche, tandis que je perds mon temps à attendre. Puis j'ai trouvé un cadre au Michaels. Je connaissais pas cette boutique-là. J'ai comme vu un lien. Et puis, bon, ça m'a vraiment pas coûté cher, là, pour un 40 par 60. Dans le fond, c'est 20 par 20. 16 pouces par 24 pouces. C'est ça. Donc, j'ai réussi à trouver ça. Ça n'a pas été trop compliqué. Je n'ai pas fait livrer. Je me suis déplacée parce que, bon, c'est ça. J'avais affaire là, au Costco. Et puis, à Drummondville, c'est à 2 minutes du Costco. C'est genre 2 km là. C'est vraiment à côté. Donc, je me suis dit, tiens, tiens, je vais aller voir. Écoutez, oh my God. Hein. Il y a beaucoup plus de stock qu'au dessert. J'ai vraiment, vraiment été surprise. C'est sûr que je vais retourner dans ce magasin-là. Je vais fouiller un petit peu plus sur leur site internet aussi. À première vue, ça m'a l'air une petite affaire moins chère que le dessert. Pas tant, là, mais un petit peu. Les petits F. Mais c'est sûr et certain là, que je vais retourner. Je vais aller voir un peu plus qu'est-ce qu'il y a et tout. J'ai vraiment comme été vite. J'ai passé dans une rangée là, et puis j'ai ramassé là, mon cadre. J'ai pas trop cherché en plus. J'ai tombé dessus tout de suite. J'étais contente. J'étais un petit peu pressée pour vrai. J'étais en deux rendez-vous quand je suis allée le récupérer, là. C'est merveilleux. Il y a beaucoup de noir dans la toile. Donc, c'est un cadre bien noir, bien stock, là. C'est ça que je voulais. C'est pour ça que je ne voulais pas payer trop cher non plus, parce que c'était quoi de bien ordinaire. Mais, tu sais, je ne voulais pas avoir du bois full de qualité, puis la grosse affaire, là. J'étais comme ça. Je veux de quoi de stock, là.
Bon, les petits G. Donc, j'ai trouvé. Et puis, les prix m'ont l'air quand même pas pire. Ils ont l'air d'avoir de quoi, là. Les petits G, un beau petit beige. Ils ont l'air d'avoir de quoi, là, de quand même pas pire, là, si on veut pas mettre une fortune, là. Parce que quelque chose, là, de semblable, là, j'ai rien trouvé en bas de, genre, 53 $ chez Desser. C'était le moins cher. Puis là-bas, voyez-vous, là, c'était 16 et quelque chose. Donc, ça valait vraiment la peine, là. T'sais, ils ont comme du un petit peu plus bas de gamme, là. T'sais, Desser, c'était comme toutes des beaux cadres de qualité. Il n'y avait comme pas rien de cheap, un peu. Puis moi, c'est ça que je voulais, là. Je voulais pas mettre le gros prix sur le cadre, là. Parce qu'à un moment donné, t'sais, je voulais pas non plus avoir mis un gros prix sur le cadre. Mais t'sais, je veux dire, ça aurait probablement été le seul cadeau que j'aurais donné. T'sais, mon diamond painting encadré, mais bon, c'est ça. Moi, j'aime ça donner tout le temps plein de cadeaux. Donc, juste un cadeau, j'étais comme assez plate. T'sais, ça me tente pas de tout passer mon budget juste dans un. Donc, je suis super contente que ça m'ait pas coûté si cher que ça. Ça va me permettre là, de pouvoir racheter d'autres trucs, donner plusieurs cadeaux. Parce que c'est ça. Moi, j'aime ça, là, avoir un sapin bien garni en dessous. Pas juste 3-4 cadeaux. Même si c'est des gros cadeaux ou que. Bon. Ou c'est des cadeaux qui valent cher, là. Non, moi j'aime ça quand il y a plein de cadeaux. Puis sérieux, c'est ça. À Noël, là, je vous montrerai ça là, dans une vidéo. Là. Je vous ferai un petit aperçu vite fait là, de mon mini sapin. Parce que je mets pas un énorme sapin. On s'entend avec les chats, hein, c'est ça. Tous ceux qui ont des chats à la maison savent c'est quoi avoir un sapin de Noël. Je vais me permettre, je m'excuse de mon langage, mais c'est un peu de la marde. Pour vrai, là, oh my god. Moi, c'est pas pire, ils sont pas si pires que ça. On les a avertis une couple de fois, là, mais bon, c'est mini, là, des fois, là, qu'elle va l'essayer d'aller chercher des boules. Au départ, la première année, j'avais des vieilles boules que ma mère m'avait données. Elle avait changé toutes les siennes là, dans son sapin, puis là, elle m'avait fait un sac, elle m'avait dit, tiens, tu t'es vu, puis bon, regarde, je me suis dit, je vais m'essayer, tu sais, j'osais pas d'en faire avec les chats, puis j'étais comme un peu triste de ça. Là, je dis, bon, c'est beau, tu sais, j'essaye de le faire. C'est ça, ils m'en ont pété plusieurs, donc la deuxième année, je peux vous jurer que j'ai regardé des magasins, j'ai découvert, parce que bon, moi, j'étais pas une grande acheteuse de trucs pour le sapin. Hein. J'aime beaucoup les décorations à l'extérieur et tout, les lumières, là, mais bon, les affaires à l'intérieur, j'avais pas tant de stock que ça, surprenamment. Puis là, j'ai découvert qu'il y avait des boules incassables. Oh my god, hein, ça a révolutionné mon sapin de Noël, ça, là. Ça a changé ma vie. Puis, je me suis acheté un super de beau set. Je me suis dit, tiens, ha, 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 les chats. Hein, rira bien qui rira le dernier. C'est moi qui vous ai eu. Parce que c'est ça. Au final, ils ont beau pitcher les boules à terre pour me faire suer. Ils sont incassables. Fait que je suis fière de ma shot. Puis c'est ça. Écoutez, il y a du cadeau en dessous de ça. Là. Oh my god. J'ai pas un énorme sapin, mais sur un petit meuble dans mon salon. Mais je vous dis, là, souvent, là, c'est pacté de cadeaux. Là. Puis ça, c'est juste les miens. Donc, imaginez, là, je reçois mes parents. Après ça, ils arrivent. Puis ils sont comme, hein, on met où nos cadeaux? Ben, trouve-toi un trou à terre. Ah ouais, c'est ça. C'est intense. Mais bon, je suis comme ça. Puis on était habitués comme ça quand on était jeunes. On avait tout le temps plein de cadeaux. Ça a toujours été. Donc, je sais pas. On dirait que ça a tout le temps resté, là. Ouais. Même ma soeur, c'est la même chose, là. Elle va tout le temps faire deux cadeaux quasiment à chacun. Il me reste vraiment pas grand-chose. C'est le cas de le dire, là. Oh là 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 là. Et là, je suis contente, là. Donc, il me reste des S, des P et puis des M. Il me reste trois couleurs exactement. Écoutez, ça ne sera pas long. Je vais déclencher ça. Bon, je fais des petits M. Mon petit jaune.
Et que oui, là, je suis fébrile, là, ça achève. Je suis vraiment comme contente, là, je suis comme, ah, enfin! Ça signifie que je vais passer à une autre toile. Oh yeah! Je m'attaque au petit P, la couleur 3862. L'avant-dernière couleur que j'ai à faire. J'en ai pas tant que ça, des petits P. Et là, ça ratisse, là. Je pense qu'il m'en reste moins. Ouais, il m'en reste moins de 10, là, à poser. La dernière couleur, les petits S, la couleur 3863. Et là 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 là. Let's go, toi. Il m'en manque deux. Il m'en manque un. Et c'est terminé. Donc, sérieux, là. Je regarde le temps. En tout cas, un peu plus de 11 heures de temps que ça me prend. C'est fou. Wow! Ça commence à faire long hein, pour un diamond painting. Donc, je recule la caméra okay, pour vous le montrer comme il faut. Je vous le voyez comme vraiment au complet. Ah non, je vais devoir monter. Chut. Vous voyez, vous grandissez. Donc voilà, il est terminé, le petit hibou banjo. Et ainsi, il est beau. Wow! Je dirais, là, pour vrai, le niveau un peu de complexité, de difficulté, je mettrais 4 étoiles sur 5 parce que on est constamment en train de changer de couleur. C'est fou, il n'y a pas tant de grandes zones à faire la même couleur, là. Donc, juste pour ça, là, ça a été quand même assez long, là, parce que c'est un 30 par 30 en diamant carré, puis ça m'a pris un peu plus de 11 heures à faire, 11 heures de travail. Donc, enfin, ça fait plusieurs mois qu'elle a commencé la toile, là, et j'ai commencé ça cet été. Là, c'est ça, les choses ont fait en sorte là, que j'ai pas pu c'est ça, la terminer aussi rapidement que d'habitude, mais là, je me remets à mon diamond painting, là, beaucoup plus. C'est sûr, vous allez avoir des vidéos coloriage, des vidéos unboxing au travers, là, mais les vidéos diamond painting reviennent. Donc, c'est officiel, mon hibou banjo est terminé. Ouais! Donc, what? J'en ai arraché un en touchant avec ma main. Bon, il a comme pogné dans ma bague. Je vais le replacer, ce sera pas plus compliqué que ça. Ben, en tout cas. Moi qui galère avec les pinces noires. Allez, mon petit. Et voilà. Bon. Donc, chose bien importante à faire, hein. Toujours passer le rouleau sur sa toile. J'ai un super rouleau ici. C'est en silicone, là. Que ce soit en silicone, que ce soit en bois, whatever. C'est simplement là, la façon dont il est fait là, parce que moi c'est ça là, je suis pas capable de le faire de la main droite puis d'aller appuyer puis mettre du poids à cause de mon poignet donc j'y vais de la main gauche donc c'est pour ça de la main gauche je suis vraiment en gauche donc je la tiens vraiment là, comme ça là. Puis tu sais je vais aller rouler là je le ferai pas parce que je suis sur ma tablette lumineuse là, je ferai pas ça là-dessus mais bon c'est ça toujours bien important hein, de bien rouler aussi si vous avez là, mon super outil ou vous avez un autre outil hein, d'enlever les cochonneries, les poils qui peuvent s'être accumulés ou de quoi, là. Donc, on fait ça avec un pinceau, hein, toujours avant de vernir ou
Et voilà. Donc, c'est ça. Je vais bien le rouler. Puis, je pense que ça pourrait être intéressant que je vous fasse une petite vidéo avec, comme je disais, là, mon organisation de après un diamond painting. Donc, ouais. Je vais vous faire une belle petite vidéo là-dessus. Sur ce, écoutez, je vous dis merci encore une fois d'écouter mes vidéos. Et puis, on se retrouve demain ou après-demain. En tout cas, on se retrouve bientôt avec une autre belle vidéo, là. Je suis super contente, là. J'enchaîne sur une nouvelle toile, là. Je veux clencher Alice au pays des merveilles. Parce que c'est ça, j'en ai d'autres, là, que je veux commencer. J'ai pas juste la toile de Mélissa, là. J'ai plein d'idées. Il y a plein de choses qui vont bouger. Donc, c'est ça. Let's go. Faut que ça bat. Faut que ça roule, hein. Faut enchaîner les toiles. Donc, je suis super contente. Enfin, celle-là est terminée. Donc, on se dit à bientôt, tout le monde. Merci beaucoup. Bye bye.